Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuel, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part de la FAQ numéro 7. Donc vous avez été nombreux encore une fois à me poser des questions. Donc le gameplay est vraiment différent et pas comme ceux d'habitude. Parce que vous disiez que ouais, de rouler en Zentorno ou être en avion, c'est vraiment banal comme gameplay. Donc là je vous ai mis un affrontement que j'ai réalisé avec des abonnés et Venger. Donc ça a été un affrontement qui a été créé par Venger, je lui fais une dédicace. Vraiment c'est un affrontement assez cool. Donc si jamais ça vous tente, hein, vous me le dites dans les commentaires. Je vous mettrai peut-être le lien de cette activité dans la description, qui sera disponible que sur Xbox 360. Mais franchement c'est vraiment pas mal avec des clubs de golf. Franchement il y a vraiment moyen de se taper des barres. Enfin bref, on va tout de suite passer à la FAQ parce que c'est ça qui vous intéresse. Donc on va tout de suite commencer avec la question numéro 1 qui m'a été posée par Bellic432. Quel est ton fast food préféré? Mon fast food préféré, alors déjà j'aime pas trop le grec, je préfère vraiment McDo. Tout ce qui est quick KFC j'aime pas du tout. Franchement je préfère McDo. Après je sais pas pour vous, mais moi franchement c'est McDo. Personnellement quand je vais au McDo, moi je prends plus un menu McFish avec McFlurry à la fin. Excellent, c'est juste incroyable. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous préférez grec, KFC, McDo, Quick. Moi perso c'est McDo. Question numéro 2 qui m'a été posée par Matchiste. C'est quoi ta marque de vêtements préférée? Alors pour la marque de vêtements préférée, alors c'est Puma et RG512 Team. Je pense que vous devez connaître les deux marques. J'apprécie énormément aussi Caporal, mais ma marque préférée reste quand même Puma. Voilà, parce que j'aime particulièrement les chats et on va dire que les pumas c'est vraiment des gros chats. Donc voilà, c'est assez sympatoche. En plus ils font de très très belles chaussures. Voili voilou, voilà tout simplement. On peut pas être plus précis. On peut pas être plus précis que ça. Question numéro 3 qui m'a été posée par Tanguy 13470. Penses-tu que GTA 5 part en couille? Alors GTA 5 partira en couille à partir du moment où il sera sorti sur PC, ça c'est sûr et certain, parce que tous les modeurs vont venir, etc. C'est vraiment à ce moment-là qu'il va partir en couille. Pour le moment, je trouve que ça passe. Il y a eu pire sur GTA 4, c'était vraiment pire. Là, il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler, c'est vraiment très banal. Non, je trouve vraiment pas que ça part en couille. Après, je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire, mais je pense pas que ça part en couille. Bah après c'est mon opinion. Question numéro 4 qui m'a été posée par Ryan Bouqueta, Virtuose, aimes-tu Cassandra Bad Gameuse en amitié ou en amour MDR? La question réponse s'il te plaît. Je ne répondrai pas à cette question parce que pour le moment ça doit rester quand même privé. Peu importe, il y en a qui vont se dire ouais tu dis ça c'est parce que tu l'aimes en amour, etc. Bref, faut savoir que Cassandra elle habite quand même très très loin de chez moi. Je vous laisse vous forger votre propre opinion de ça. Je donnerai pas de réponse, comme ça on va voir comment la communauté réagit par rapport à ça. Je verrai bien, je pense que ça peut être assez drôle. Question numéro 5 qui m'a été posée par KillerGame21. Pourquoi avoir choisi la Xbox? Alors pourquoi j'ai choisi la Xbox? Tout simplement parce que ma toute première grande console a été la Xbox. Donc qui m'a été offerte par mes parents pour mon anniversaire je crois. Elle m'a été offerte et du coup bah comme j'étais sur Xbox, j'ai continué dans cette génération, donc Xbox 360, Xbox One. Et c'est pour ça que je suis pas passé par PlayStation. Désolé pour ceux qui sont sur PlayStation, mais c'est comme ça, je peux rien y faire. Question numéro 6 qui m'a été posée par Jar de l'espace. Sinon c'est quoi les autres jeux que tu joues à part BO2 et GTA 5? Alors je jouais à l'époque très très souvent à SimCity 5. J'attends mon nouveau PC pour pouvoir y jouer. D'ailleurs il y a un gros problème avec mon PC, c'est à dire qu'on a fini de le monter mais il veut vraiment pas s'allumer. Donc ça va reprendre encore un peu plus de retard. Je suis vraiment désolé pour ceux qui l'attendaient. Moi je l'attendais pour pouvoir jouer à SimCity et vous proposer plus de montage, etc. Va falloir attendre encore un petit peu, mais je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Et sinon après j'aime beaucoup Forza. Tout ce qui est jeu de voiture j'aime beaucoup. Voilà. Question numéro 7 qui m'a été posée
posée par Richard Rudaz. Est-ce que Venger a une chaîne? Alors non, Venger n'a pas de chaîne et il ne veut pas se créer de chaîne pour le moment. Déjà, il n'a pas le matériel pour pouvoir filmer. Même si je pourrais lui filer des gameplays, il n'a vraiment pas envie de commencer YouTube maintenant. C'est des raisons personnelles que je ne citerai pas. Question numéro 8 qui m'a été posée par Titif. Boum, FAQ numéro 7. Que préfères-tu sur GTA 5 comme activité, mission, course, affrontement, extermination, capture ou attaque de gang? Alors pour moi, c'est vraiment les courses que j'adore. J'adore les courses. Après, si je devrais les classer, ça serait course, mission, affrontement, attaque de gang, extermination et capture. Voilà. Question numéro 9 qui m'a été posée par MusicSbo. Fumes-tu? Alors non, je fume pas, je fume de temps en temps avec des potes, mais c'est vraiment très rare. Aimerais-tu te lancer un jour dans le concept gaming de Squeezie et PewDiePie? PewDiePie, comme la meuf de Canal+, l'avait dit, PewDiePie, donc non, c'est PewDiePie. Alors est-ce que j'aimerais me lancer dans ça? Pas vraiment, parce que c'est pas vraiment mon domaine, et j'ai pas vraiment envie de copier ou de plagier, parce qu'après ça va partir en couille, etc. Non, mais pourquoi pas des vidéos, des lires, ça peut vraiment être très très fun. Pourquoi pas en solo ou même avec des abonnés, je sais pas, je veux voir. Question numéro 10 qui m'a été posée par Axel. YOLO! Depuis combien de temps t'es avec Bad Gameuse? Alors déjà, je suis pas avec elle et je la connais depuis, ça va faire quoi, 5-6 mois je crois. Je suis pas sûr, mais 5-6 mois. Question numéro 11 qui m'a été posée par AlphaTix. Quelle sorte de vidéo sortiras-tu sur GTA une fois que les glitches seront patchés? Alors déjà, les glitches, il y en aura toujours. Plus dur à trouver, mais il y en aura toujours, parce que des glitches, c'est une faille dans un jeu, donc il y en aura toujours, un jeu ne peut pas être parfait. Après, j'ai toujours mes séries fétiches, couleur classe, ce que vous voudriez sur GTA, ma FAQ, j'ai toujours mes séries, donc je pense pas. Après, je vous sortirai quand même d'autres choses, parce que si je me bascule sur mes séries, c'est pas très cool, mais je vous sortirai quand même d'autres choses. Donc il y a des courses, il y a des petits glitches par-ci par-là, etc. On trouve toujours des trucs, même si ça mène pas à des duplications, il y a toujours des trucs à faire. Question numéro 12 qui m'a été posée par Ninja Shti. C'est toi Père Youyou sur RG? Alors oui, c'est moi, maintenant j'ai changé, je me suis appelé Monsieur Virtuose parce que ça faisait très très longtemps que j'avais pas été sur ce forum. Et je me suis remis il y a pas très longtemps, j'ai retrouvé un peu la communauté qu'il y avait au début, c'était vraiment très bien. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont accueilli quand j'ai remis mon vrai pseudo, c'est assez sympatoche. Franchement, RG est un très très bon forum, même si parfois il y a des gamins, mais on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la communauté. Quand tu auras ton PC, feras-tu des vidéos sur SimCity? Alors oui, je pense. Et si oui, feras-tu avec tes abos? Alors oui, pour toutes les personnes qui jouent à SimCity 5 sur leur PC, quand je recevrai mon PC et que j'aurai installé le jeu et que j'y jouerai, je posterai un petit message ou je ferai même une petite vidéo pour vous le dire. Vous allez me passer vos pseudos origines ou je vous passerai le mien, vous m'ajouterez et je vais tout simplement créer une région 100% moi, et comme ça j'inviterai des abonnés, comme ça on pourra se faire une région pour une région qui s'appelle à qui on donnera un nom, et après bah chacun aura une ville et on pourra peut-être s'entraider ou des trucs comme ça. Après on se parlera sûrement sur Skype ou des trucs comme ça, ça peut vraiment être fun. Question numéro 14 qui m'a été posée par Girl Destroy. Es-tu célibataire en ce moment? Alors oui. Et quel est ton animal préféré? Donc ça sera le loup. Si c'est animal domestique, ça sera le chat, mais si c'est animal sauvage, ça sera le loup. Question numéro 15 qui m'a été posée par Fouad. Mais Lula, pourquoi tu acceptes pas tes abonnés comme amis dans la Xbox? Alors tout simplement parce que je ne peux pas, ma liste d'amis est pleine, je ne peux pas, je vais pas virer des potes avec qui je m'entends super bien pour vous faire de la place, même si ça me ferait énormément plaisir de jouer avec mes abonnés, mais j'ai créé des crews, etc. C'est pas pour rien, c'est pour que vous puissiez jouer avec moi et quand je vous invite de rejoindre. Question numéro 16 qui m'a été posée par Master of Skill. Tu pourras faire une vidéo sur Minecraft, s'il te plaît? Oui, j'en ai sorti une il y a deux jours. Question numéro 17 qui m'a été posée par Neos Fusion. Vas-tu ouvrir un serveur Minecraft avec Bad Gameuse? Alors non, parce que je ne joue pas sur PC. Tu as quoi comme manette Xbox 360 et Xbox One? Alors j'ai des manettes de base, mais je veux bientôt avoir une manette custom Rapid Fire. Tu as quoi comme portable? J'ai un Samsung Galaxy Ace et c'est vraiment de la merde. Je le dis, voilà. Question numéro 18 qui m'a été posée par DemoniacGlitcherFR. À ton premier abo, quelle réaction t'as eu? Bah écoutez, j'avais déjà une autre chaîne auparavant. Le premier abo m'a vraiment rien fait. Mais par contre, quand j'ai passé le cap des 1000 abonnés, ça a été vraiment incroyable. Et quelle est ta meilleure construction sur Minecraft? Alors avec un pote, on avait construit
C'était avec Psycho, je me rappelle, on avait construit un palais sur Minecraft en grès. Et ce palais était juste beautiful. Je vous remontrerai peut-être des images parce que apparemment on peut télécharger les mondes de Xbox 360 sur Xbox One. Je vous montrerai peut-être en vidéo. Vous allez voir, le monde et le palais était juste beautiful. Je vous le montrerai. Question numéro 19 qui m'a été posée par Errol Easy. Qui est Venger? Comment l'as-tu connu? Alors, qui est Venger? Bah, Venger, c'est Venger et c'est mon pote. C'est mon meilleur pote sur Xbox 360. Et comment je l'ai connu? Bah, alors, c'était déjà sur Black Ops 2. On s'est connu sur Black Ops 2. Et bah c'est juste un pote qui m'a présenté à lui. Et après, il m'a initié un peu au glitch sur Black Ops 2. Et après, j'en suis là où je suis. C'est vraiment grâce à lui si j'ai pu apprendre à glitcher. Mais maintenant, je sais m'en sortir tout seul. Et on s'en sort très très bien tous les deux. Question numéro 20 qui m'a été posée par Guillaume Journiac. Pour toi, qui est le plus grand glitcher youtubeur? Tu ne peux pas te choisir. Oui, je vais pas me choisir. De toute manière, c'est à vous de me juger. Mais pour moi, le meilleur glitcher youtubeur, c'est ZRK. Voilà, ZRK. Et question numéro 21 pour finir, qui m'a été posée par Hot à Bars. Étant donné que tu aimes l'électro, as-tu déjà voulu aller à un festival tel que le Tomorrowland ou autre? Oui, j'ai vraiment voulu, mais malheureusement, je ne peux pas me déplacer jusqu'à là-bas. Et quel est ton DJ préféré? Alors pour moi, ça sera Showtech. J'aime aussi beaucoup Showtech. Il y a Martin Garrix. Il y a Avicii aussi, voilà. J'aime beaucoup Avicii aussi. J'aime ces trois grands DJ. Ils font vraiment de très très bonne musique, j'adore. Et du coup, voilà. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette FAQ. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes. Et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Posez-moi encore une nouvelle fois vos questions sur Twitter, Facebook et même dans les commentaires de cette vidéo. Pour Twitter, ça sera le hashtag MonsieurVirtuoseFAQ. Et pour Facebook, ça sera exactement la même chose. Allez, ciao bébé tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.